Du visage souriant des habitants à la valeur de l'hospitalité, comme sa signification l'indique, le pays de la Teranga est un lieu de convivialité, de respect et de partage. Chaque personne est prête à aider son prochain dans n'importe quelle épreuve. Au football, c'est la même chose. Les joueurs sont prêts à se battre pour les autres. Cette notion est enseignée à l'Académie Génération Foot, l'un des plus prestigieux centres de formation du continent africain. De même, de nombreux internationaux ont pu parfaire leur football dans ces locaux. Le football au Sénégal, c'est aussi l'effervescence de la Ligue, devenue professionnelle seulement en 2009. L'ensemble des équipes sont réunies autour de Dakar, ce qui crée un environnement de rivalité saine où chaque personne a sa petite préférence, aussi bien pour le club de l'US Gorée, l'AS Douane ou bien Génération Foot. L'équipe nationale du Sénégal connaît des débuts compliqués, bien loin de leur niveau actuel. Ils parviennent quand même à figurer parmi les meilleures équipes africaines avec deux qualifications pour les CAN 1965 puis 1967. La suite va se durcir. Des défaites larges en compétition officielle, des incapacités à créer du jeu espéré et encore du retard sur les autres nations africaines. Il faut alors attendre les années 90 avec un retour à la compétition en Coupe d'Afrique des Nations et des bons résultats allant d'une belle 4ème place en 90 à des successions de quarts de finale. Les années 2000 vont rimer avec espoir et ascension grimpante. D'abord une belle 2ème place lors de la CAN 2002 en janvier, l'un des meilleurs résultats à ce jour. Puis une première participation à la Coupe du Monde 2002 avec des joueurs évoluant essentiellement en Ligue 1 française, dont notamment le milieu du RC Lens, qui va se transformer en buteur lors de cette compétition, Papabouba Diop, ou bien le défenseur central du Stade Rennais, Lamine Diatta. Ensemble, ils vont créer une surprise en battant d'abord la France dès le premier match. Une véritable force collective qui va se poursuivre jusqu'au quart de finale contre la Turquie. Le pays se lève d'un tel espoir et espère réaliser la même chose pour les années à venir. Pourtant, en 2007, les Lions de la Teranga vont enchaîner des contre-performances. Des éliminations précoces en groupe de la CAN 2008 et 2012, accentuées avec des non-qualifications en Coupe du Monde. Les supporters ressentent vraiment de la frustration et encerclent même le stade de la sélection après une défaite de trop contre la Gambie. En 2018, la sélection se relève et retrouve enfin la Coupe du Monde sous l'impulsion de Alou Cissé, déjà capitaine de l'époque. Malgré des bonnes performances avec une victoire sur la Pologne, le Sénégal échouera à se qualifier devant le Japon ou la Colombie. En 2019, le Sénégal se présente comme la nation africaine la mieux classée pour la Coupe d'Afrique des Nations. Fort d'un effectif composé de Idrissa Gueye, Kalidou Koulibaly ou encore Sadio Mané, elle ne va pas trembler lors de son premier match contre la Tanzanie. Les 12 subsisteront lors du deuxième match contre l'Algérie et une défaite troublante 1-0 avec l'intenable Belaï. Un revers qui n'empêcheront pas les hommes de Alou Cissé de se hisser en 8ème de finale. Sur le chemin, ils feront d'abord face au Ouganda, puis au Bénin, deux nations qui neutralisent 1-0 seulement. Fort de leur bloc défensif, avec un Gueye intenable, ils gardent leur cage inviolée. En demi-finale, ils doivent lutter jusqu'au bout, en prolongation, pour se défaire une nouvelle fois 1-0 de la Tunisie. Une qualification en finale qui laisse planer des doutes par rapport à leur rendement offensif, loin de ce que l'on pouvait espérer avec des pointures comme Keïta Baldé ou Niang. Leur deuxième finale historique en CAN se joue alors contre l'Algérie, une nouvelle fois. Et au cours des 90 minutes, le Sénégal ne parviendra pas à franchir la barrière des Fennec et échouera une nouvelle fois à ramener la coupe à la maison. Devant la Guinée-Bissau ou encore le Congo, le Sénégal ne fléchit pas et obtient son ticket immédiatement pour la phase finale de la compétition avec 4 victoires consécutives sur 4. Les deux derniers matchs du groupe ont surtout permis un turnover pour laisser la chance aux plus jeunes et aussi un changement de disposition tactique. Au total, c'est 10 buts marqués au cours de cette campagne et seulement 2 buts encaissés avec un Edouard Mendy impérial dans les cages. Aliou Cissé est l'un des coachs les plus anciens de la sélection, depuis Claude Leroy entre 1989 et 1995. Alors que d'autres nations africaines préfèrent faire appel à des entraîneurs de nationalité étrangère, le Sénégal fait confiance à son ancien capitaine. Lui dont sa seule réussite est d'avoir amené la sélection olympique en quart de finale de la compétition en 2012. Sa nomination est donc une suite logique, où Aliou Cissé a toujours eu un énorme respect pour sa patrie.
Dans une volonté de perfectionner son groupe, Aliou Cissé a toujours été ce père bienveillant auprès de ses joueurs. Il mise sur la relation et la communication pour comprendre l'état d'esprit de chacun. Aussi bien dans sa carrière de joueur comme de sélectionneur, il est amplement respecté dans le vestiaire et chaque consigne est appliquée à la lettre. Il n'hésite pas à se mettre au même niveau que ses joueurs pour favoriser la vie de groupe. Depuis sa prise de fonction, Aliou Cissé a déjà exercé à 74 reprises, pour un total de 46 victoires et seulement 9 défaites. Il lui manque encore un titre pour valoriser son statut. Après avoir longtemps joué en 4-3-3 ou en 4-4-2 à plat, Aliou Cissé privilège aujourd'hui le 4-2-3-1 avec un poste de numéro 10 comme Sadio Mané afin qu'il soit plus libre de ses mouvements sur le terrain et d'occuper toute la largeur. Le joueur de Liverpool peut alors évoluer balle au pied dans sa zone pour apporter un danger supplémentaire. Cette tactique permet aussi surtout de privilégier la relation des deux milieux centraux pour construire le jeu progressivement vers l'avant. Cependant, le sélectionneur doit encore trouver les bons éléments au bon poste pour approfondir davantage ce schéma tactique. En termes de joueurs, Édouard Mendy, meilleur gardien actuellement, sera chargé de stopper les tirs dans ses cages. Devant lui, l'expérience d'un Koulibaly sera primordiale pour accompagner Abdou Diallo. L'élément primordial du système est le milieu de terrain et sa doublette Idrissa Gueye-Kouyaté. Enfin devant eux, comme mentionné précédemment, Sadio Mané occupe ce nouveau poste hybride de numéro 10. Sur les côtés, on pourra faire confiance à Ismaïla Essar et aussi à la pépite monégasque Diatta pour accélérer et apporter un surnombre en contre. Sadio Mané, Liverpool. Toujours à son plus haut niveau, Sadio Mané c'est avant tout la mise en avant du collectif. Il le fait très bien en première ligue et il continue en sélection. Il est le joueur le plus doué techniquement et est sûrement le joueur capable de débloquer une situation compromise. Lui qui n'a pas pu soulever le Graal en 2019 espère réavoir cette chance en 2022. Édouard Mendy, Chelsea FC. La montée ascendante de Édouard Mendy au plus haut niveau a largement été démontrée par le passé. Lui qui sert de dernier rempart efficace à Chelsea démontre tout l'étendue de son talent avec des parades de grande classe sur sa ligne. Il est ce joueur qui fait confiance à toute une défense. Lui qui avait dû laisser ses partenaires pour les phases à élimination directe lors de la CAN 2019 veut cette fois-ci faire une compétition pleine. Kalidou Koulibaly, Naples. Sûrement la référence mondiale en matière de défense. Le joueur le plus régulier dans cet exercice est bien Kalidou Koulibaly. Sa force de caractère en font une arme essentielle avec le Napoli. Très bon aussi bien dans les duels aériens que dans ses tacles, il est difficilement franchissable. On se souvient que son absence lors de la finale de la CAN 2019 pour carton rouge avait été difficilement digérable pour les Lions de la Teranga. Dans un groupe B composé du Zimbabwe, 121e mondial, de la Guinée, 81e mondial, et du Malawi, 129e mondial. Le Sénégal, 20e à la FIFA, fait largement figure de favori dans ce groupe. Ils devront se surpasser dès le début du tournoi pour prouver leur domination et leur statut de grand favori de la compétition. Avec un effectif aussi garni de talent et cette volonté de prendre leur revanche par rapport à juillet 2019, le Sénégal se doit d'être plus ambitieux pour enfin décrocher ce titre qui leur échappe depuis toujours. Tous les éléments sont aujourd'hui rassemblés pour réaliser une CAN parfaite. Ils pourront notamment s'appuyer sur leur match récent en qualification pour le Mondial 2022 avec des victoires maîtrisées et une intention de jouer plus haut.